C'est pas du tout ça mon intro. Hi bitches. What's it, friend? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore une vidéo où la luminosité sera catastrophique. Car dans cette vidéo on va pimper mon appartement pour Noël. Et du coup la luminosité est horrible parce que j'ai décidé de faire ça ce soir. Donc désolé mais vous aurez cette lumière jaune. On est le 7 décembre, donc il est grand temps de commencer à pimper la maison et de rendre ce lieu de vie magique et chaleureux. Pour commencer, cette vidéo est sponsorisée par Desenio. On va rajouter plein de nouveaux cadres et on va tout modifier, vous allez kiffer. Donc je vous insère la partie où je transforme toutes les affiches que j'ai chez moi et je les remplace par des affiches de Noël. C'était demain, je vous la mets maintenant quand même au début de la vidéo. Cette vidéo étant sponsorisée, je dois mettre la partie où je parle de Desenio dans les deux premières minutes. La voici. Bye. Bonjour. C'est une vague passion temporelle. Je suis Anna de demain matin. Mais hier soir, bref, posez pas de questions. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire là maintenant? On va restaurer mes cadres. Parce que j'ai beaucoup de cadres dans mon appartement, j'adore avoir des images partout. Et j'ai envie de tout customiser en mode Noël. Vous voyez, une ambiance un peu plus sympathique. Donc, j'ai reçu ce gros colis des Desenio. Si vous connaissez pas Desenio, c'est un site qui vend des cadres et des affiches. Vous allez avoir une réduction que je vous dirai à la fin. Une réduction pour avoir 30% sur tout le site, donc c'est trop cool. Tout mon appart est custom Desenio. Je travaille avec eux depuis cet été, donc je les adore. Alors, j'ai commandé des nouveaux cadres mais je m'en rappelais pas. Alors, un cadre, deux cadres. J'ai oublié ce que je voulais faire, ma direction artistique. J'ai fait cette commande déjà 2 semaines. J'étais pas chez moi donc je pouvais pas l'ouvrir. Ok, alors attendez, du coup j'ai 3 cadres. Et dans cette belle pochette j'ai toutes mes nouvelles affiches. Oh. Ok, donc this kitchen is for dancing. Je vais la mettre dans ma cuisine. Et du coup je suppose que je voulais la mettre dans ce cadre. Ok, donc ça c'est parfait. Oh, elle est énorme. Mais attendez, mais ça rentre même. Et oui, ça rentre. Ok, donc ça c'est pour ma chambre. Alors attendez, c'est un merdier, je suis un merdier. Ça, je suppose que c'est pour mon dressing. Ça, c'est l'affiche du salon. Ça, c'est encore pour ma chambre. Ça aussi, et ça aussi. Je suis une psychopathe. Je commande des affiches, j'oublie un peu où est-ce que je voulais les mettre. Youpi, youpi, je vais installer tout ça. Christmas! C'est parti. Ok, donc voilà, c'est tout bon pour la partie 4. Vous avez moins 30% sur Desenio avec le code ANA30 jusqu'au 17 décembre. Donc pressez-vous, ils ont une super collection, ils ont une variété d'affiches énormes. Mes copines ont déjà commandé dessus, enfin vraiment c'est un site fiable et trop trop cool. Et puis bah nous revoilà parti pour faire le sapin. Merde, mais je vous spoil le sapin maintenant. Ok, donc mon sapin. Je suis dans une agence fantastique qui s'appelle Follow. Si vous n'étiez pas au courant, vous êtes vraiment à côté de vos pompes. Ils nous ont fait une surprise, ils ont envoyé à chaque talent, je suis un talent, un sapin. Un sapin, voilà, un sapin, il est là. Voilà le sapin. Un sapin, donc ils ont envoyé un sapin avec des boules et tout. Donc ça c'est incroyable, j'allais en commander en faux. Et puis mon agent m'a dit non mais attends un peu. Et en fait c'est parce qu'ils nous ont envoyé un vrai sapin. Donc c'est génial. Aujourd'hui je suis allée chez Maison du Monde, j'ai acheté des décos et on va faire le sapin. Mais j'ai plusieurs problématiques. Première problématique, j'aimerais le mettre ici. Malheureusement il n'y a pas de prise ici. Donc je pense que ça va être physiquement impossible. Donc c'est pas possible de le mettre ici. Parce que bah il y a une guirlande qui va dans le sapin bien entendu. Il faut que je la branche. Donc j'ai un peu la mort parce que pour moi c'était sa place. Mais du coup on va le mettre là dans le coin quoi. Ouais, parce qu'il y a nulle part où ailleurs où je peux le mettre. Il y a peut-être un cours en visio qui est juste là et que j'ai mis en mute. Je dis ça. T'es bien mignon, mais tu prends toute la place, loulou. Putain, il prend toute la place, le con. Ah, c'est mieux, mais bon, ça me saoule, quoi. Le type est carrément dans ma cuisine. Il peut se servir dans le frigo, quoi. En fait, je peux le mettre vraiment nulle part ailleurs qu'ici, j'ai l'impression. On va remettre Chouquet à sa place. Je vais faire un 3-6, le con. Non mais si, c'est chou en vrai. Si, c'est bien en vrai, là, c'est un bon endroit. Non, c'est pas un très bon endroit. Si, franchement, je t'assure, j'ai pas d'autre solution. Ok, et bah c'est bien. On va dire que c'est très bien. Ok, donc j'ai décidé qu'on allait le laisser là. Je dois faire juste deux modifs. Je dois couper une branche qui pointe trop et mettre une cale. C'est deux choses que je ne sais absolument pas comment je vais faire. C'est parti. Étape numéro 1, couper la branche. Je vais utiliser un couteau suisse. Encore une riche idée de ma part.
victoire. Maintenant, faire une cale. Je vais essayer de faire une cale avec ce bout de carton. Alors, comment il penche? Il penche comme ça, donc il faudra le redresser. Ça, c'est le truc, quand je faisais ça pendant avec mon père, je me rappelle qu'on pouvait y passer 1 heure et demie et se hurler dessus. Quelqu'un voit une différence? Parce que alors moi pas du tout. S'il te plaît, la sapinette, sois sympathique. Voilà, ça recommence. Je sais jamais comment caler un truc. Et là du coup il part complètement là-bas, c'est pas du tout le but. Ok, sapin en place. J'ai des épines plein à tout. Me voilà face à ma sapine. Je vais vous parler de mes boules. Qu'est-ce qu'on va mettre dans ce sapin? Premièrement, j'ai toutes les boules que Follow m'a envoyées. Bon alors Follow, je vous aime, je vous porte dans mon cœur, vous m'avez beaucoup apporté. Mais je ne me vois pas avoir un sapin entièrement floqué Follow. J'aime Follow mais je ne veux pas un sapin Follow. Donc je vais laisser 2-3 boules avec écrit Follow dessus. Ou une pour la blague. Et je vais faire une petite astuce de génie. Je vais tourner les boules qu'on ne voit pas le logo Follow. Follow s'il vous plaît m'en voulez pas, j'ai parlé de vous dans la vidéo et tout, c'est bon non? J'espère qu'ils vont pas me faire la gueule. C'est super, mais bon vous savez très bien que j'aurai pas un sapin Follow. Je veux savoir que c'est mon premier vrai sapin. Mon père il m'avait déjà acheté une année un petit sapin. J'ai eu des faux sapins, je sais plus ce que j'ai fait les autres années. Mais c'est mon premier sapin de cette envergure genre. Donc j'ai pas de décoration, donc c'est mes premières. Donc ce sera noir et doré et argenté. J'ai 2 boules comme ça, une boule Playboy et une boule avec écrit Anna RVR. C'est moi, j'ai la guirlande de LED. J'ai l'étoile que Follow veut que j'accroche à mon sapin, sur laquelle il y a écrit, à votre avis il y a écrit quoi? Follow. Donc je suis passée chez Maison du Monde. Déjà j'ai acheté... J'ai acheté ce petit ours trop chou pour mettre au pied du sapin. J'ai acheté l'étoile qu'on accrochera à la fin. Donc j'ai acheté un petit serre-tête de Père Noël parce qu'on n'oublie pas ce qu'on est en train de faire dans cette vidéo. Et j'ai plein de boules, vas-y en gros c'est des boules quoi, vous en foutez. Bon bref, je vais pas vous faire un unboxing de toutes mes boules, mais vous savez que j'ai des boules. On va d'être ça. Alors attendez, on va FaceTime mon père pour lui demander un truc très important. La question qu'on se pose tous les ans dans ma famille, c'est est-ce qu'on met la guirlande lumineuse avant ou après les boules? Donc j'espère qu'il va me répondre parce que alors mon père ne me répond jamais, il faut le savoir. Donc là mon père vient de m'envoyer en messagerie. C'est pas mon crush, c'est pas mon ex, c'est mon père qui vient de m'envoyer en messagerie. Là c'est plus Noël là. Là c'est le père fouettard, je suis vexée comme un pou. Mon père m'a envoyé en messagerie, on est où là? Je vais essayer d'appeler ma mère vu que mon père a décidé de m'ignorer complètement, c'est horrible. Bonjour, je ne suis pas disponible pour le moment. Mais ma famille me hait, elle aussi elle m'a envoyé en messagerie. Oh là là, mais qui je peux appeler? Ma famille me déteste. Bah je vais FaceTime Elisa. Bah enfin, ma troisième mère me répond. Je suis en train de faire une vidéo. J'ai appelé mon père et ma mère. Ils m'ont envoyé les deux sur messagerie au bout de 3 sonneries genre. Du coup j'ai dit que j'allais appeler ma troisième mère qui est toi. J'ai une question. Est-ce que la guirlande électrique elle se met sur le sapin avant ou après les boules? En premier. Okay. La première chose à faire c'est ça. Parce qu'en fait c'est super chiant de passer entre toutes les boules. Voilà bon bah j'y vais. Merci beaucoup pour ta réponse. Bisous bisous. Bon bah voilà, comme quoi les amis sont la famille qu'on choisit. Papa et maman vous aurez pas de cadeau de Noël, vous pouvez vous les mettre là où je pense. Bon bah c'est parti, on va s'accrocher à la guirlande du coup. Youpi. C'est pas mal, j'aime bien quand il y a plus de lumière, mais bon, j'achèterai une deuxième. Ok, on va dire que c'est la bonne, on passe aux boules. J'ai fini les boules, il est grand temps de poser l'étoile. Hop, oh, c'est la perfection. Voilà. Je vais passer l'aspirateur et mettre le petit bonhomme en dessous et après on va faire les derniers finolages pour ce soir. Oh de gomme, il est trop chou. Je sais pas trop comment le mettre. Oh non, il est tout seul. Attendez, c'est une blague, pourquoi il tient pas? Tu sais tenir debout, truc muche, voilà. Pardon de t'avoir appelé truc muche. Il est chou, mais il a l'air un peu seul, hein. Putain, c'est un peu moi. Bon, finalement, je l'ai mis au pied de la cheminée, je trouve qu'il a beaucoup plus d'aisance. Il a l'air beaucoup plus à sa place, regardez. Parce que là, sous le sapin, il était seul au monde. J'ai acheté une autre déco trop chou. C'est une déco de sapin avec écrit ici, enfant très sage. J'ai vu qu'on n'est pas des enfants sages. Voilà, c'est trop chou.